Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. Qu'est-ce qu'on fait? Oh! Pendentif mignon de Cthulhu, bah c'est marrant, ça faisait longtemps que j'avais pas FM cet item, ça va changer, c'est cool. On est à 96 depuis, évidemment. Donc bon, pour ceux qui ont suivi un peu les récentes péripéties, j'avais fait quelques tentats sur des exorèses R, bon, ça n'avait pas conclu. Voilà, ça n'avait pas conclu, on va dire ça comme ça. Finalement, j'ai besoin de pourcent dommage distance. Donc, on va faire pourcent dommage distance, tout simplement. Voilà, c'est le plan. Donc, bon, on est reparti pour cet item qui nous régale. Allez, ça commence. Ça, c'est ok. Moins 3. Il va nous falloir des petits over par-ci, par-là. Moins 20. Ouais. Ok, ça passe, moins 10. J'ai plus grand chose à virer sur l'item en vrai. Le G est très bon de base. On va mettre une petite rune, allez, on va mettre une Pafo. Hop. Une petite ravie. Qui crie, ça fait plaisir. Pas ça, une fois, moins 6. Deux fois, moins 9. 48. Écoutez, c'est pas mal, hein. 48, bon, j'ai 3 de prix en rab, pour le coup, j'en ferai vraiment rien du tout. Je pourrais mettre un de PP, mais ça me mettrait juste. Ça baisserait juste un peu les chances de repassage PA, donc c'est de la merde. Donc, on a 3 tentats de match distance. C'est franchement pas mal pour une première. Pour un premier puits de la vidéo et de la session sur l'item. Et une, deux, et trois. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? On n'a pas le PA. 98 depuis. Bon, les trois premières lignes ont vraiment une sale gueule. Ça va être un peu technique. Je vais bourriner les ravis, hein. Ah! Bah nickel. Nickel, vraiment, bah, ça régale, hein, c'est trop bien. Allez, petit moins 11 là. Je mérite au moins un moins 11 pour compenser un peu si vous voulez. Ah non, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Coup dur, hein. Coup dur pour Grifox. C'est compliqué. 9 de J. Non mais tout va bien. Tout est sous contrôle, les amis. C'est fine. Ça crit. Allez, c'est bon, c'est la fête. C'est vrai que cet item, c'est quand même quelque chose à FM, hein. Pas de chance, pas de chance. 99 depuis. On peut avoir le full perf, il faut moins 11, moins 13. Allez, c'est parti. Allez, il me faut moins 6. Moins 6, please. Et non. Bon, bah là, c'est la sauce. Hein. Tenter la pas H, tant qu'à faire. Ah non, c'est technique. On va mettre paille. Ah non, j'aurais peut-être dû payner plutôt. Parce que là. Voilà, on va y aller comme ça. Voilà, mais bien sûr, le karma. Ah là, mon karma, il est chargé, les amis. Je peux vous dire que c'est quelque chose. Et oui. Et oui, c'est tellement facile la FM. Et voilà, hop, la petite rune force, évidemment, la passa. Et oui. Toute façon, là, j'ai même pas besoin de compter le puits parce que je vais juste bourriner mes deux perdis. Hein. Enfin, je dis ça, mais ouais, non, je troll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 21. Hop. Moins 9. Moins 9, moins 18. Ah, il reste 2 depuis, ça fait pas beaucoup quand même. Alors, on va payer plutôt. Pas de chance. 94 depuis, c'est magnifique. On a évidemment la petite païnée pour ne pas rester en sous-G par exemple. Ensuite, la ravie. La deuxième ravie, moins 20. On a le perf à la rune pod. On a par contre la sagesse qui nous troll. C'est pas de chance. On va mettre. Il faut over là, c'est chiant.
Ah, ça va coûter très cher ça. Ouais, mais là c'est un peu. C'est un peu compliqué. En plus j'ai du sujet partout là. Ouais, non, c'est pas ouf. Hein. C'est pas l'attentat la plus palpitante qu'on ait faite sur ce stream. Allez, les crits qui rattrapent un peu. Oui, ça me va. Tac, tac. Tac. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à compter le puits? On peut se poser la question. Je vais PA maintenant. Ça passe. Parce que l'idée, c'est que là, en fait, je vais essayer d'opérer. Et que peut-être ça peut me casser le PA, genre en d'opérer, auquel cas j'ai plein de tentats d'opérer, vous voyez. Et ça, c'est pas mal. Et on n'aura pas cette chance, malheureusement. 97 depuis. Bon, la sagesse qui régale pas. Le reste du G, bah, va falloir over, quoi, comme d'hab. La Vita. 16 de Vita. Bah, ça, il me faut moins 6 et moins 5, moins 5. En vrai, ça se fait. On va commencer par ça, je pense. Moins 20. Je pourrais même tenter, en vrai, la païnée. Ouais, non, c'est risqué. On va mettre. J'ai pas des petites runes force là. Allez, runes force. Allez, moins 6, please. Yes. Parfait. Bon, c'est cool. Ça part plutôt bien. On va essayer de passer une painée qui passe. Bon, franchement, c'est pas mal. On s'en sort bien. L'over. Moins 10. Bon, on va avoir beaucoup de puits restants. Mais bon, la sagesse m'attriste. Hein. Tac. J'ai 58. Je pourrais mettre une pas faux, mais je pense que je vais plutôt mettre deux runes, enfin trois runes faux, et j'ai plus de chances de récupérer deux de puits et d'en avoir au moins deux qui passent comme ça. Ok, là j'avais le test. Hein. Voilà, il me faut un crit à la faux pour gagner une tenta. C'est dommage, hein, il manque vraiment un, mais je crois que j'avais bien compté. J'ai pas de rabbin, donc. Le crit, please! Le crit, please! Et non. Il y a peut-être un truc à négocier. Cela, du coup, j'ai moins 3. Je suis à 55. J'avais pas un de plus que ça? Non. Ouais, bah écoutez, let's go. Let's go, let's go. Le truc, c'est que je vais de toute façon, je vais aller à la de distance. Hein, donc en fait, là, j'ai pas mal de puits en rab. J'ai un 18 de puits en rab. On est d'accord, hein? Parce que là, j'ai 55. Avec ça, j'ai 58. Il me faut 45. Ouais, non, j'ai 13 de puits en rab. 13, c'est 4 tentats sagesse. Tentats sagesse et 3 tentats de perdi. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 97 depuis. Bon, cette fois-ci, la sagesse est bien. J'ai un peu peur pour la Vita. 37. On va y aller. Il me faut absolument que je tryhard le full perf parce qu'à la limite, je pourrais trans si je suis en full perf. Ok, 1-6 déjà qui tombe. 2-6. Si j'avais moins 5, j'aurais pu faire 2 pods. Maintenant, j'ai eu moins 6, donc on va enlever l'overforce. On va mettre une rune d'eau. Ok, j'ai le full perf. Bon, j'ai vraiment tryhard, hein, on pourra pas me le nier. On va over la J. Moins 20, on récup l'over là-dessus. Ou là-dessus, ça marche aussi. Bon, je peux enlever mon over ou ça va crit toute la soirée là? C'est pas vrai ça.
Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec nos 6 de rap de mort là? On va repair. Hein. Allez, repair neutre, let's go. Voilà, et en plus, en vrai, c'est ouf. Hein. Je vais y arriver. On économise beaucoup depuis. Par contre, les crits, ça régale. Hein. Moins 4. Qu'est-ce qui se passe? Très bien, on s'est fait arnaquer. Bah de toute façon, à partir de ce stade, c'est très simple. Ce qu'on vise, c'est un full perf pour trans. J'ai eu moins 40. Là, j'ai eu moins 6. J'ai 7 depuis, donc full OZEF. On mettra juste 2 de PP si le PA passe. Si le PA passe, par contre, je trans. Alors certes, c'est un peu triste de trans sur un puits PA, mais je me permets de le faire que sur un 100% perf. Mais bon, même ça, j'ai pas le droit que ça repasse apparemment, donc si vous voulez, on continue quoi. Bon, 93 depuis, 39 sagesse, dommage. Alors, on va faire ça, ça, moins 9. Par contre, la vita affreux. Est-ce qu'on peut vraiment passer une pavie là-dessus, à votre avis? Ah non, on va devoir se contenter d'une merde comme ça, mais ça rend fou. Bah nickel en tout cas. Bah non, mais ça fait plaisir, hein, c'est bien. Hein. Et le moins 11, allez, on va dire que je l'ai mérité, nickel. Le crit quand on n'en veut pas. Non, mais tout va bien, tout se passe très bien. C'est vraiment. Ça régale. J'ai eu un moins 10 que j'ai pas compté. Bon, j'ai plus de puits. Où est mon puits, les amis? Ok, le crit de Pado qui met bien, par contre. J'en avais besoin de celui-là, hein, pour tout vous dire. Si je l'avais pas, c'était compliqué. Oh, le plus de puits, bah, c'est pas de chance, ça. Et même ça, même là-dessus, j'ai pas de PA. Ouais. Merci à toi pour ton abonnement, Maxou. Ça fait plaisir, merci. Pile au moment de l'attentat, évidemment, 99 de puits. On peut avoir le full perf. Il faut un moins 11 et une pod. J'ai envie de mettre la récré, mais c'est plus safe la faux parce que j'aurais deux chances d'avoir du moins 6. Il me faut un moins 6. Ah putain de merde. Alors là, je vous avouerai que c'est compliqué là. Là, c'est la sauce. Voilà. Tout ça pour ça. Je suis dans un état de déception absolument indescriptible. Ah, quel dommage. Hop, ok, le petit crit qui fait plaisir quand même. Vingt-sept de puits en plus. Je pense pas avoir 3 de rabbin, ça m'étonnerait fort. Petit crit peut-être, non. Ne passe pas. Pas de PA. La classique. Ça fait pas loin d'une heure que je suis sur l'item à attendre que le PA tombe. Je sais pas ce qui se passe. Bon. Bref. Bon, la vita, c'est un peu technique. On va faire récri. Moins 30. 2. Pas récri. Et pod.
Et oui, le chat, tous ceux depuis tout à l'heure qui me spam Runcha into Papod, machin et tout. C'était full opti comme ça. C'était opti, évidemment. Bon, bah, par contre, on a des stats dégueulasses. On va voir ce qu'on peut faire, mais. De toute façon, je suis à un stade où je ne crois plus à grand chose, pour être très honnête. Je veux juste que ça se termine. C'est tout ce que je veux, j'en fais plus. C'est en train d'user mon âme, ce truc. Bref, hop. On va pas H plutôt. Oh, nice. Bah, génial. Si j'ai le PA là-dessus, je mets 3 runes prosp, enfin ou une pas prosp. Et ça part en transe. Mais j'y crois tellement plus, je suis dépité. Oh, c'est pas passé, c'est vraiment pas de chance. Bon, bah écoutez, je commence à avoir l'habitude. Moi mon item je me fais bolos en boucle, les PA ne repassent jamais, c'est compliqué. Bon là en vrai la session sur dommage distance elle a pas été méga longue pour l'instant, mais ça commence à faire. Ça fait presque 3 semaines que je suis sur l'item en stream. Pour avoir absolument 0 PA qui repasse sur un jet qui me convient, alors que pourtant j'avais beaucoup de tenta. Et bah, j'ai un abonné, évidemment, qui m'a fait ça en moins 2 sagesse, dommage distance, sans rune transcendance en plus, ce qui est intéressant. Donc bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui acheter, hein. Ça va être très très simple. Hop, on s'est mis d'accord pour 6 millions. Bon, ça reste du near perf sur plus PA avec un truc qui est plus simple à faire qu'un 3% raise. C'est censé être très facile à la base, quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si je confirme ma volonté de jouer ça dans mes modes PVP, je referai du tryhard pour avoir du full perf. Sachant que la limite, il vaut mieux repasser un PA sur un jet full perf et mettre une rune trans pour gagner les deux de sagesse qui manquent, par exemple. Auquel cas, sur ce jet, on pourrait mettre un PO. Donc voilà, si je confirme ma volonté de le jouer dans mes modes. Ça partira en PO là-dessus et je referai une session de tryhard, mais là j'ai envie que pour les streams et tout on fasse un peu d'autres items parce que ça fait vraiment des dizaines d'heures qu'on fait ce pendentif Mignon de Cthulhu en stream et du coup en vidéo YouTube aussi, enfin ça fait que tout est bloqué. Donc voilà, je lui prends celui-là et puis ça va nous permettre de passer à un autre item et ça me permettra de jouer et on y reviendra quand il faut. Alors il y en a peut-être qui vont être déçus de voir que la vidéo se termine comme ça et compagnie. Gardez à l'esprit que je fais de la FM pour mes modes PVP pour pouvoir PVP ou éventuellement pour PVM, mais bon, enfin surtout pour PVP. Et que bah, si je peux avoir mon G en l'achetant, je l'achète parce que je me fais mes kémas beaucoup plus vite que je ne me fais mes G en FM parce que la FM c'est très long alors que les kémas ça peut se gagner très très vite. Donc voilà, je prioriserai toujours l'avancée sur mes objectifs, sur mes stuffs, sur mes mods, sur tous les objectifs dans le jeu par rapport à juste l'espèce de fierté de faire l'item et de pas l'acheter, sachant qu'OZEF, hein, tout ce qui compte c'est le jet qu'on a à la fin et qu'on l'ait acheté ou qu'on l'ait fait, c'est pareil. Donc voilà, je prends ce petit jet qui va nous permettre de passer à la suite et je suis bien content de pouvoir un petit peu laisser cet item parce que je commençais à saturer pour être très honnête. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.